Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle recette comme toutes les semaines. Donc là, on va se faire une galette, une bonne frangipane. Allez, comme d'habitude, on démarre avec les ingrédients. Pour notre galette, on va avoir besoin de deux pâtes feuilletées épaisses, 150 g de poudre d'amande, 50 g de farine, 90 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, 2 œufs, et bien sûr on n'oublie pas la fève, et on aura aussi besoin d'un œuf pour la dorure. On commence par la préparation de la crème. Je vais avoir besoin d'un saladier, donc je vais venir couper mon beurre en petits morceaux et je vais venir le déposer dans le fond du saladier. De préférence, prenez un beurre bien mou. Là, moi, il n'était pas assez mou, donc je vais le passer un petit peu au micro-ondes pendant environ 20 secondes. Une fois mon beurre bien ramolli, je vais pouvoir l'écraser un petit peu. Là, je constate qu'il est assez mou, donc il ne faut pas qu'il soit trop dur ni trop mou. Là, je viens ajouter le sucre. Et je vais continuer à l'écraser pour obtenir un beurre pommade. À ce stade, on ne doit plus avoir aucun morceau de beurre. Donc c'est ce qu'on appelle un beurre pommade. Là, on va pouvoir ajouter les 2 œufs. Et là, on va venir très fortement mélanger le tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit. On se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle recette. On continue notre petite crème. Alors on vient ajouter la poudre d'amande et la farine. Et on commence à mélanger délicatement. Et vous allez voir petit à petit, la crème va se former. Une fois la crème bien épaissie, je vais ajouter un bouchon et demi de rhum, donc ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Moi j'en mets seulement pour le goût, personnellement je préfère. On finit la crème par mélanger un petit peu. Je viens rabattre un petit peu les bords avec une corne et je vais vous montrer la consistance que vous devez obtenir. Donc une crème pas trop liquide, un petit peu épaisse comme ceci, qui se tienne bien. Allez, on est parti pour la création de la galette. Moi j'utilise un moule à pizza pour faire ma galette, mais vous pouvez utiliser aussi une plaque. Donc on vient mettre le premier disque de pâte feuilletée. Je retire le surplus de papier cuisson. Et là je vais venir déposer au milieu de ma pâte toute la crème. A l'aide d'une spatule, je viens étaler ma pâte du milieu vers les bords. Je vais laisser quand même un demi centimètre pour refermer ensuite le deuxième cercle de pâte. Une fois bien étalé, bien sûr, on n'oublie pas de mettre la fève, donc sur un bord, comme ceci. D'un pinceau et d'un peu d'eau, je vais venir mouiller les bords. Donc là, ça va être pour coller la deuxième partie de la pâte. Et là, on vient déposer le deuxième disque. Je viens juste appuyer un petit peu sur les bords, c'est juste pour coller les deux parties. Et là, je viens passer un coup de dorure sur toute la surface de la galette. Et on va s'attaquer au décor. Donc pour le décor, je vais avoir besoin d'un couteau. Je vais prendre le dos du couteau pour tracer mon dessin que je souhaite faire. Là, je vais faire une fleur. Bien sûr, pour le décor, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire dessus. Vous pouvez faire selon votre inspiration. Pour la cuisson, ça dépend de votre four. Là, faut compter pour le mien environ 40 minutes, mais pour certains, ça va être un petit peu moins. Et vous le faites cuire à 200 degrés.
Nous revoilà 40 minutes plus tard. Notre petite galette sort du four, bien bien chaude. Il ne nous reste plus qu'à la déguster. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit logo qui va s'afficher. Allez, bonne semaine à tous. Salut, salut.